How much of an advantage is it, do you think, that France have had 7 days between games and Ireland just 4? Je peux pas vous dire que c'est un désavantage. Après, les calendriers sont faits comme ça, donc on est obligé de s'adapter. Mais bon, c'est vrai, je préfère avoir 3 jours de plus que 3 jours de moins. I have to ask you about Thierry Henry. It seems to be more of an issue for French media than Irish media, but everyone is asking about perhaps a revenge for the handball and Stade de France. Je pense que ça occupe beaucoup plus l'esprit des médias français. Je pense pas que les médias irlandais vous en parlez peut-être, mais moi je considère que ça fait partie de l'histoire. Je n'en ai pas parlé aux joueurs, je ne vais pas en parler. Je ne pense pas que Martin O'Neill va se servir de ça. Il y a quelques joueurs qui sont là. Voilà, ça appartient au passé. Il y a une nouvelle histoire à écrire pour les deux équipes et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 6 ans. You must remember many great midfield battles with Roy Keane. Yeah. Of course. Do you think that this quarantine embodies some of his spirit, some of his drive? Bon, c'est dans. Roy Keane était un formidable combattant. J'ai joué énormément de fois contre lui parce qu'avec la Juventus où je jouais et lui il était à Manchester, on s'est souvent rencontrés. C'était un joueur dur. Moi, je peux pas dire que j'étais pas un joueur tendre aussi, mais il y a toujours eu beaucoup de respect. Après. Les joueurs britanniques, irlandais, voilà, il y a ce cœur, big heart, comme vous dites, qui est important. Et vous aussi. Nous aussi, oui, parce que, évidemment, mais nous, c'est pas tout le temps. Vous, c'est systématiquement, et quand vous portez le maillot de l'équipe nationale, voilà, il y a une détermination, un dévouement qui est très, très important. Et puis, vous avez aussi des supporters nombreux. Et qui font beaucoup de bruit, et je suis convaincu que demain il y aura une très belle ambiance dans le stade.